Salut tout le monde, c'est Loïc, on se retrouve pour un petit vlog avec Sacha. Donc là, on s'est pris un week-end et on s'est dit qu'on allait faire en fait un petit trip où en gros on va faire randonnée, on va dormir, on voulait faire un bivouac mais du coup dans les calanques, bah, on a choisi un camping parce que ce sera plus simple pour planter une tente. Et voilà, donc on va voir ce que ça va donner. On va aller en bord de mer, c'est un petit peu un nouveau type de vidéo et de vlog que je vais tenter de faire. Et on verra ce que ça donne, ça va être un petit peu une nouvelle façon pour moi de filmer. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais essayer d'orienter un petit peu la chaîne YouTube vers ce type de vidéo. Vous me direz si ça vous plaît dans les commentaires. C'est parti. Tout à l'heure on était là. Oh bah. Ah, ils s'actualisent. Voilà. Et en gros là on suit le sentier. Et après ce sera le tracé en rouge. Ouais, là il y a des sentiers. Ouais. Petite propriété. Après, en plus, je crois qu'il longe le bord de mer. Sur... Oh, il y a la petite barrière. Là, regarde. Ouais. Ah, c'est la suite. Ouais. Bon, on est un peu perdu. On sait pas où aller. Ouais. Le tracé sur l'application est pas précis. Donc on va voir où ça nous mène. Mais pour le moment, on sait pas trop. Là, on est sur un petit port juste derrière. C'est très beau, ça commence à être les câlins. Après, t'as vu là-bas, il y a. Ouais, mais à tout moment, on fait des sentiers un peu. À la Wanagan. Mais je sais pas si on va réussir à trouver. Là, Sacha, il tombe déjà le pull. Ouais. Après, et ça tu vois, je sais pas si ça mène vers des maisons ou si ça peut être un sentier, en sachant qu'il n'y a pas les tracés genre GR en rouge et blanc, donc je sais pas. Mais en vrai, là on longe un peu des habitations, là j'ai l'impression qu'on traverse une sorte de petit village, on longe la côte, là ça a l'air plus sauvage, et après on rentre vraiment dans les terres, mais je pense que ça peut être sympa là, l'endroit un peu sauvage ici. Ouais, on va voir hein. Ouais. Après on aurait pu demander aux gens, mais bah, déjà on va monter là. Et si s'il n'y a rien, on prendra les escaliers, ouais. On va faire ça. Bon, après, on est sur le sentier. En plus, on a croisé des randonneurs, donc ça devrait être bien. On a vu des gens avec des sacs à dos. Mais regarde. Il y a la merde. En fait, c'est ce que je disais à Sacha. C'est que on a l'impression d'être dans un autre pays, enfin d'être en vacances. Alors que genre vraiment on a cours dans 2 jours. C'est incroyable, c'est trop beau. Je sais pas qu'il y a ça en fait juste à côté. Donc là du coup ouais, pour vous situer, on est à côté de. Au sud de Martigues, je dirais Carry-le-Rouet, un truc comme ça. On doit être vers en Suesse la Redonne. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent. Bon bah c'est l'occasion de tester la qualité du micro avec le vent. On va pouvoir voir si ça marche bien. Parce que là il y a du vent là pour le coup. Putain. Ils sont interminables les escaliers. C'est taille. Bon là du coup on va essayer de suivre les randonneurs, ça devrait être bon. On va vers Méjean. Ah ouais. Ça, là ça va échauffer les mollets, tu vois. Ouais. Bon là on est dans un autre port. J'ai sorti le tour de coupe parce que j'ai quand même froid aux oreilles. Mais on est toujours sur le bon chemin. On a rattrapé le groupe, donc on arrive à les suivre pour voir où va la rando parce que mon avion fait la même. Donc là, on est dans un port vraiment sympa. Trop mignon. Et on continue. Alors, c'est tout calme, il y a des maisons, c'est des villas de partout. T'as des petits bateaux, t'as le bruit des vagues. Genre vraiment en face, c'est magnifique quoi. En face, c'est comme ça. Là il y en a un petit viaduc, on est au Grand Méjean, avant on était au Petit Méjean, là on est au Grand Méjean. Et on continue, c'est magnifique, c'est beau. On est entre un village et un pont.
au bord de l'eau, au bord du... Il y a encore des bateaux. Encore un petit port. Pas grand chose. Il y a des bateaux de... En fait, il y a plein de petits ports de partout, c'est hallucinant. C'est trop bien. Il y a un restaurant. Quoi dire. Ah oui, du coup ça fait 1h30, 1h37 qu'on marche. On est très lent, on a fait que 3,8 km, donc on est genre à 26 minutes au kilomètre, ce qui est pas très rapide, mais on prend notre temps en fait, on s'arrête prendre des vidéos, des photos et tout. C'est super beau. Et là, on va prendre un petit tunnel, on va continuer. Mais on va peut-être raccourcir parce qu'il y a quand même 12 km dans notre rando et je sais pas si on est prêt à faire 12 km. Ah oh, ouais. Et il y a un train qui passe au-dessus. Ah. C'est incroyable. On a fait des photos. On les affiche ici. Genre, j'ai fait quelques photos de Sacha. Voilà. En fait, c'est trop bien. J'ai trop envie de filmer tout. Bon, voilà, c'est tout. Changement de programme. Enfin, non, pas vraiment changement de programme. Mais du coup, on a envie de raccourcir un peu la rando parce qu'elle dure 4h45. Et vu qu'on avance très lentement, on a peur qu'elle fasse 6h tellement on filme et qu'on prend des photos et tout ça. Donc, on a essayé. Oui. Donc on a essayé de trouver un petit chemin et là on fait du free ride à travers les branches. Je sais pas trop où on va. Ça va le faire. Mais on va retrouver. Tant qu'on a un téléphone avec de la connexion pour voir où sont les chemins de rando, ça devrait pouvoir le faire. Ça grimpe. Et en plus, c'est du petit caillou. Du coup on s'enfonce comme dans du sable. Avec des cailloux et en plus, ouais. En plus ça grimpe. C'est ça? Ouais, c'est là. C'est là. Heureusement qu'il y a le vent. Hein. Oh, avec la mer derrière. Je sais même pas si vous voyez du coup. Genre moi ça me fascine. Regarde la taille du pont. Donc là on réatterrit sur le même village où on était tout à l'heure. Donc on va peut-être trouver un endroit pour manger au bord de l'eau. On va se faire des petits sandwichs. Donc les petits sandwichs ce sera avec du pain, avec du jambon, avec mozza et tomates. Sacha, je les ai juste là. Mais ça va être cool, on est au bord de l'eau, juste à côté du port, avec le pont juste derrière, avec vue sur la mer. Donc franchement, ça devrait être plutôt sympathique. La baguette. Oh. Regarde ça comme il coupe la mozza, c'est beau. Italie. Là on voyage. Prends un pain. Un pain qui est quand même beau, tu vois. Sur ton pain là, bam. Petite tomate. Alors que là il est rose, tu vois, tu le laisses un peu. Et là tu poses délicatement ton jambon. Et tu refermes. Et là, là c'est beau là. De retour à la petite voiture, on va reprendre la voiture et on va aller je sais pas où. Oui au camping on a dit. Allez on va au camping, c'est parti. Yes. Bah ouais. Bon, où est-ce qu'on en est? On doit être une heure après. On est allé au camping, on a attendu bien 15 minutes parce qu'il était pas ouvert, il ouvrait à 15h. Ensuite elle nous a donné une petite carte où il fallait qu'on aille voir où est-ce qu'on allait, tout simplement poser notre tente, genre c'est à nous de choisir. Et là on va se baigner, on va aller à la plage tranquillement. Ensuite on va peut-être faire un basket et piscine, enfin voilà. Ouais. L'eau est magnifique, elle est toute claire. C'est plutôt sympathique. Bon du coup on a trouvé une petite plage sympa, juste à côté de la plage qui était prévue, avec un petit peu caché derrière les rochers, comme ça on est tranquille, on va pouvoir se baigner, on va pouvoir s'allonger, lire, je sais pas. Donc trop bien, voilà.
elle est froide. On vient de finir la piscine était magnifique, enfin, vous avez dû voir sur les plans, c'était très très beau. On a fait le petit basket juste avant, là on va aller prendre une petite pizza avec la vue sur la mer. Il y a le coucher de soleil qui est ouf, qui est très beau, ça fait une belle lumière, on le verra peut-être de la pizza derrière. Ensuite douche, installation de la tente, je sais pas s'il me restera de la batterie pour filmer tout ça, je verrai. Je voulais pas vous filmer la pizzeria, voilà, on va couper un peu la caméra et voilà. Bon là du coup on va faire le montage des tentes. Bah c'est parti, vous allez voir ça. Il en reste en rouge. Let's go. Oh le sol est affreux ici. Donc, le vent vient ici. C'est quoi? Alors rentre dans le sac. Bon, on a débriefé, on a enlevé les tentes. Eh ben quelle merde, c'était horrible. Ben voilà, je suis enrhumé. Genre, on sort du. T'as vu? Hier j'étais pas enrhumé, maintenant je suis enrhumé. Donc déjà j'avais mal au cervical parce que j'avais oublié mon oreiller. Du coup j'ai fait un oreiller avec des vestes, des pulls, des shorts. Et ensuite c'était quoi? Le vent. Déjà il y avait beaucoup trop de vent, donc pas foufou. Et ensuite à la fin je suis allé dormir dans la voiture. Si on voit bien, j'ai couché le siège. Très peu dormi, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va visiter Martigues. D'abord, on va aller prendre le petit-déj, on va manger peut-être au bord de l'eau. Peut-être on va aller prendre un café pour Sacha à la pizzeria. Donc voilà, c'est parti. Pas de café? Ouais. Du coup, ce matin, c'est petite pomme. Petit mix énergie, amande, cranberry, je sais pas quoi, c'est plutôt sympathique. C'est bon. Alors là, nous sommes ni plus ni moins au marché de Martigues, donc un petit marché assez atypique. Et donc je vais vous laisser la parole, Loïc, pour nous présenter un peu les rayons. Ah oui, super. C'est du goût, c'est des odeurs, c'est un ensemble en fait. Il n'y a plus jamais personne. Les gars, on fait un petit vlog. Salut, ouais, moi c'est Johan, c'est mon terre-terre. De la pellicule. Et ouais.
Oh, du coup là on se fait une petite visite de Martigues, du petit centre. On a fait le miroir des oiseaux, on se balade un petit peu comme vous voyez. Je vais essayer de vous faire quelques plans stylés, puis après on voit ce qu'on fait. Là en fait on avait fait un projet, genre sur Bon, c'est une fin de vidéo. On est bien fatigué. Je pense que là, ça va partir sur l'ancienne machine, prendre une douche et se coucher. On fait une sieste parce que là, je suis un peu mort avec la nuit qui a été courte. Je pense que je suis un peu enrhumé. Donc voilà. En plus, demain, on a cours. C'était un bon trip. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est un petit peu. Ça va être un nouveau style. Je sais pas si ce sera toujours dans ce style de vidéo, mais j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si c'est le cas. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Ciao.